Jésus. Je voulais quitter. Je pars en Allemagne. L'homme de Dieu, Seka, que je connaissais déjà par avant, il était en Allemagne chez le cousin de ma femme, qui est l'homme de Dieu Armand, qui est l'église Bethel à Hagen, en Allemagne, que je salue. Et l'homme de Dieu est là. On dort dans la même chambre. Cette fois-ci, on avait dormi dans la même chambre, chacun dans un petit lit. Il se réveille le lendemain matin, il dit, Daniel, j'ai vu ta vie. J'ai vu ce qui s'est passé. Il s'est mis à pleurer. Je dis, oh, le vieux a tout vu. Le vieux a tout vu. Je dis, comment? Et puis là, il me dit, oui, j'ai vu l'humiliation. Mets-toi à genoux, je prie pour toi. Tout de suite, il a fait quoi? Mets-toi à genoux, il m'a ordonné en tant que serviteur. Il dit, je rappelle ton âme maintenant. Là où l'ennemi t'avait enfermé, je rappelle maintenant. Aujourd'hui, je suis devant vous. Amen. Quand on dit un père, ça s'honore. Amen. La Bible nous dit, ayez de l'afférence pour vos conducteurs. Amen. Aujourd'hui, on voit, il y en a, ils ont des pères, des mères, des oncles, des tantes, des cousins même spirituels de partout. Il y en a un même, j'en connais un, il a 5 papas spirituels. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment est-ce qu'il peut être guidé. Mais cet homme de Dieu-là, si je suis là aujourd'hui, c'est pour rendre témoignage de cet homme. Il dit que je suis prophète. Une fois, il m'a dit, mais toi, Daniel, il me fait, mais toi, Daniel, tu es une caméra. J'ai dit, si moi, je suis une caméra, lui, c'est un studio télévision. Lève ton esprit vers Dieu. Tu es.